amoureuse de la reine Hortense. Ma vie a été si brillante et si remplie de malheur que le monde a tous s'en occupé. Il m'a loué, il m'a blâmé selon les circonstances, mais toujours avec exagération parce que l'élévation de mon rang a permis à trop peu de personnes de m'approcher assez vous. Mais bien jugé, je crois n'avoir mérité ni un éloge trop flatteur, ni une critique trop sévère. Mon cœur m'a toujours quitté dans le moindre démarche, le cœur petit trompé quand il est peu. L'enthousiasme est plus grand pour tout ce qui est bien. M'a soutenu au milieu des injustices et des rêveurs. Ce sentiment exalté a fait sans cesse ma force et ma consolation. C'est à quelques âmes élevées et sensibles et des amis que je veux me faire connaître. J'entre dans les plus petits détails de ma vie en leur disant « Mais voilà, jugez-moi, plaignez-moi, je suivrai, aimez-moi, estimez-moi, c'est le besoin de mon cœur. » Ce sera encore le charme de mon existence. J'écris pour des amis, pour eux seuls. Mon frère me connaît assez. Quelle est celle de mes pensées, dont une confiance mutuelle est une vive affection, née l'ayant rendu dépositaire. Mes enfants, ce n'est pas de moi qu'ils doivent apprendre les chagrins qui m'a causé leur père. J'ai tant souffert pour eux. Je les ai tant chéris que s'ils le savent jamais, ils m'en aimeront davantage. Quant à moi, il me sera pénible sans doute de retracer les plus belles années de ma jeunesse passée dans les larmes. Mais il y aura peut-être de la douceur à retrouver parmi les dangers que je peux éviter, les peu de bien que je peux faire. Les marquis de Beauharnais et mon grand-père étaient gouverneurs général des colonies françaises appelées les îles sous le vent. Ils se lia à la Martinique avec la famille des comtes tachés de la Pagerie qui, originaire de Blaisois, s'était établi aux îles et possédait de belles habitations. Il avait épousé Mademoiselle de Chastier, riche héritière, dont les biens étaient considérables à son domaine. Il eut deux fils de ce mariage. Mon père, le second marquis à la Martinique, et Rivain fort jeune en France. Lorsque mon grand-père y fut rappelé, vers le même temps, une demoiselle tachée, mariée, monsieur Renaudin, vint aussi s'établir en France, pour resserrer l'amitié qui existait entre les deux familles. On convint de faire épouser à mon père une demoiselle tachée de la Pagerie. Ma mère, la plus jeune des trois sœurs, ne pouvait être désignée, mais le vaisseau qui apportait le demande de mariage arriva au moment de la mort de l'aîné. Ensuite, sur le désir qu'on témoigna en France d'avoir le second et sur la nouvelle qu'elle languissait depuis la perte de sa sœur, éteinte d'une maladie incurable, il fut décidé qu'on enverrait la dernière. Son père le conduisit en France où elle devint la vicomtesse de Beauharnais. Ce fut donc le sœur qui désigna ma mère. Elle avait 15 ans et mon père 18. Lorsqu'ils se marieront à Paris, mon frère naquit en 1781 et moi en 1783. La position de ma mère, quoique brillante, ne pouvait lui faire oublier son pays, sa famille. Elle y avait laissé une mère âgée qu'elle désirait revoir. Encore une fois, peut-être aussi pouvait-il le besoin de se distraire d'un sentiment difficile à vaincre et cependant naturel. Mon père, d'une figure charmante, d'un esprit remarquable, rempli de talent, était recherché de tout ce que la vie et la cure avaient des plus distingués. Sa femme connaissait des sensibilités rendait trop susceptible, peut-être en prix de l'ombrage de la jalousie même, et crut trouver un remède dans l'éloignement. Nous partîmes seuls, ma mère et moi. Je vais alors 4-1. Nous nous embarquâmes au Havre où un violent coup de vent pensa nous faire périr presque dans le port. Arrivés à la Martinique, nous y fûmes accueillis avec des transports de joie par une famille heureuse de nous voir. La vie calme que nous
Mignon, tantôt sur une habitation, tantôt sur une autre, que vint sans doute à ma mère, puisque nous restâmes plus de 3 ans loin de la France. Une seule circonstance de séjour que nous fîmes à la Martinique est restée dans ma mémoire par l'impression qu'elle produisit sur moi. J'avais 5 ans. Je n'avais pas encore versé une larme. J'étais gâtée par tout le monde. J'ai mis une mousse vernie, même une désapprobation n'étant venue me forcer à réprimer une impression ou un désir. Nous étions établis sur l'habitation de ma grand-mère. J'ai joué auprès d'une table sur laquelle ma grand-mère était occupée à compter de l'argent. Je le regardais et quelquefois, quand une pièce tombait de ses mains, je courais pour le ramasser et la lui reporter. Je lui vis faire une douzaine de petites pieds de gros sous qu'elle laissa ensuite sur une chaise et quittait la chambre en important le reste de l'argent. Sinon, encore comment l'idée me vint qu'elle me donnait cet argent bon disposé. Mais je m'en convainquis tellement que j'ai pris tout cet dessous dans ma robe que j'ai relevé pour me faire une poche. Et j'ai parti avec ce trésor sans éprouver les plus petits remords. Persuadé comme je l'étais qu'il me partenait bien légitimement. J'ai trouvé une mulâtre domestique de la maison et je lui dis: « Chien, voici beaucoup d'argent que ma grand-mère m'a donné pour les pauvres noirs. Menez-moi leur cabane pour les leur porter. » Il faisait une chaleur brûlante car le soleil était dans toute sa force. Mais j'étais si contente que je n'aurais pas voulu retarder d'un instant. Nous discutâmes avec Jeanne des meilleurs moyens de satisfaire les plus de malheureux. J'ai dans toutes les cases des noirs mon argent toujours dans ma robe retroussée que je tenais d'une main ferme et que j'ouvrais seulement pour en tirer ce que j'ai décidé que je devais donner la nourrice de ma mère une double portion. Mon trésor étant épuisé, me voyant environné de tous ces noirs qui me baisaient les pieds et les mains, je revenais triomphante, fière, joyeuse des temps de bénédiction. Lorsqu'en rentrant dans la maison, j'ai la vie en et moi, ma grand-mère cherchait son argent. On ne savait qui accuser de sa disparition. Les pauvres serviteurs étaient tous tremblants de la crainte d'être soupçonnés. Comme un trait de lumière, la vérité se montra à moi et, avec désespoir, je me vis forcée de me croire coupable. Je m'accusai sur le champ à ma grand-mère, mais que cela m'écouta. Je vais mentir, je vais voler et je me l'entendais reprocher. Mon imagination avait tout fait, il est vrai. Je vais vous mettre des paquets dessous sa part. C'était son contre-édit pour les pauvres. Les laisser sur une chaise à ma portée, c'était me charger de leur distribution. Voilà ce que je vais imaginer. Et de cette fiction, je vais faire une réalité. L'humiliation que j'éprouvais de ce mécompte fut si vive, si profonde, qu'elle a dû influer sur mon caractère. Je me suis méfiée toute ma vie de mon imagination et je crois pouvoir affirmer que même en riant, je n'ai jamais fait ni au mensonge, ni cherché à embellir même la vérité. La révolution commençait dans la colonie. Monsieur de Vieux-Mesnil, Monsieur de Dama y avions été successivement gouverneurs, mais le dernier fut forcé d'en sortir précipitamment. Nous logions petit gouvernement. Soit on vint annoncer à ma mère que le lendemain matin on tirerait sur la ville du Fort Royal. À l'instant, un parti put se réfugier sur une frégate dont elle connaissait le capitaine en traversant la prairie nommée Savannah. Une boulet de canon tomba auprès de nous.
Dès le long du monde, les révoltés, maîtres de la ville, ordonneront au bâtiment français de rentrer le menaçant de toute artillerie du fort. L'équipage s'écria qu'il voulait retourner en France. On s'éloigna promptement de la côte, mais le menace fut exécuté. Des boulets furent tirés. Aucun de nous éteignit, le sort nous épargna. Nous voilà donc embarqués à l'improviste, sans avoir fait adieu à personne, et retournons en France sans en avoir eu le projet. Le frégate qui nous portait s'appelait la Sensible, et avait ses destinations pour tout long. Notre traversée paraissait heureuse lorsqu'au détroit de Gibraltar, le pilote se trompa et nous dit Régia, sur l'Afrique, nous touchâmes à la côte. 5 minutes plus tard, le bâtiment échouait. Matelots, passagers, enfants, tout le monde s'est mis à tirer des cordages. Et cette fois encore, nous échappâmes à un danger.